Allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo crash test. Alors aujourd'hui on va tester un petit produit un peu spécial, j'ai envie de dire, je ne sais pas trop ce qu'il vaut. On va prendre soin de sa peau aujourd'hui, tout simplement parce que ici il faut que je mette de la crème et tout, et j'ai un produit à tester. Donc, et je pouvais évidemment, il fallait que je vous le montre, je pouvais pas le tester sans vous le montrer, c'est logique. Mais avant de commencer, je vous rappelle qu'il est très important de me suivre sur mon Instagram. Pour l'instant, je poste des petites vidéos make-up bonus, on va dire ça comme ça, avant de les mettre sous forme de compilation sur ma chaîne. Mais étant donné que je fais des masques et des make-up et tout, ce sera des compilations un peu spéciales, sont vraiment distinctes, hein. Donc c'est pas pour maintenant, le temps que je fasse ça, etc. Mais je fais du mieux possible pour vous sortir de jolies vidéos. Et avec un audio parce que, qui a peut-être des droits d'auteur, etc. Ce que je ne peux pas faire sur YouTube. Et sur YouTube, je vais pas vous mettre, vous compiler des vidéos qui n'auront pas un audio. Enfin vous voyez, un audio différent à chaque fois, c'est un peu chiant. Du coup, ce sera une musique par-dessus. Mais bah du coup si vous voulez les vidéos de base, vous me rejoignez sur Instagram ou Facebook ou même TikTok. Je les poste sur mon TikTok. Et je vous rappelle aussi que YouTube supprime mes réponses, voire carrément vos commentaires, ou les désactive. Bon, je les réactive juste après, mais bon voilà, je ne sais pas vous répondre, on ne sait pas interagir. Du coup c'est aussi pour ça qu'il est très important de me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Comme ça, ben, on peut interagir, je peux vous répondre, vous pouvez me poser vos questions, etc. Je rappelle aussi que mon rangement make-up arrive, je sais que vous le voulez. Il n'y a pas qu'une personne qui me l'a demandé, même s'il y a une personne qui me le rappelle à chaque fois. Bisous Pauline. Mais ça arrive, c'est promis. Juste, je pense que j'ai enfin trouvé le rangement parfait. Je dois juste encore acheter un ou deux trucs et par exemple la vidéo que je vous tourne juste après, enfin pas aujourd'hui mais bref, c'est une vidéo sur AliExpress, voilà, il y a quand même des produits où j'ai des rangements exprès pour ça, donc comme ça tout sera parfait et vous pourrez voir comment je range mes affaires. Petite parenthèse faite, voici le produit que je vais vous montrer aujourd'hui. Il s'agit du 100% Natural Rose Quartz de Beauty Star. C'est apparemment, c'est Electric Face Massager, donc c'est un masseur pour visage électrique, une peau plus ferme et une élasticité accrue, soulagement du stress. Donc apparemment, vous voyez, j'ai pas pensé à prendre le mien, de toute façon l'ulti-action ne fonctionne pas très bien. Vous voyez les rouleaux qu'on utilise, voilà, pour le visage, pour masser, la crème, le sérum, etc. C'est exactement ça, mais électrique. Justement, je cherchais un truc. Et j'ai vu ça chez Action, je me suis dit, ok, donc on va tester ça ensemble. Donc la boîte est comme ça, vous voyez pas encore très bien le produit, mais je vais le déballer, ils expliquent comment faire. Apparemment on peut le mettre dans le cou, voilà, ça se met partout. Ils expliquent que là c'est une pierre de quartz. Alors ici ils disent que c'est pour mettre la pile, il faut une pile AA et on-off, donc le bout ici en plus il est remarqué là. Donc pas d'excuse parce que parfois chez Action on cherche comment mettre la pile et tout, c'est galère. Là pas d'excuse, c'est expliqué, ce qui est génial. La pile n'est pas fournie, il ne faut pas le mettre dans l'eau apparemment. Vraiment ils mettent des infos précises. Bon ils disent pas comment l'utiliser avec de la crème, sérum ou quoi, c'est pour ça qu'on va faire le test aujourd'hui. Mais sinon à part ça toutes les infos sont dessus et vraiment j'ai hâte d'essayer. Donc voilà notre petit produit. Il est quand même assez lourd, ça m'étonne. Alors, oups là, ben il sort bien. Alors, c'est hyper doux, c'est trop joli. C'est très doux, voilà, comme ça vous voyez bien. Donc j'ai ma petite pile ici, on va venir la mettre. Donc apparemment c'est ici au-dessus qu'il faut tourner. Ce qu'on va faire. Voilà, il faut mettre la pile là dedans. C'est un peu mal foutu en fait parce que vous voyez ici, il y a deux lignes en fait. Vous avez la démarcation ici, vous avez encore une là. Et en fait ça se dévie si vous avez l'autre bout de la pile. Alors que là, le bout ici, c'est fait pour on-off, voilà, pour allumer. Et il coince un peu et ça se dévisse en fait. Mais voilà, j'ai enfin compris le bazar. Voilà.
je vous le mets près du micro, vous entendez le bruit que ça fait. Ça peut aller franchement. On va commencer avec la première crème. Je l'ai acheté chez Action aussi. Il s'agit de la collagène Wrinkle Decrease. C'est celle de chez... C'est une de L'Oréal, hein, donc j'ai acheté chez Action. C'est une crème de jour pour repulper avec du collagène et tout. Et j'adore cette crème parce qu'en fait, vous avez un effet botoxé. Vous la mettez et au bout de 2 secondes, votre peau elle est toute lisse et tout. Bon, comme vous voyez sur ma peau, ça dure pas. Hein. Vous voyez toutes mes rides et d'une... Mais au bout de 2 secondes, vous avez une peau sublime. Enfin, vous allez le voir. Donc, on va d'abord tester avec la crème. Et ensuite... On essayera avec le sérum, enfin sérum c'est plus de l'huile, le ProBase Primer Oil que je vous déconseille à 1000% de mettre avant le make-up étant donné que c'est de l'huile. Avec de l'huile d'arbre à thé, donc de Mua Makeup Academy, voilà. Je vous l'ai déjà montré dans de nouveautés, je crois, je vous mets la vidéo ici si vous voulez. Donc je prends de la crème, hop. Je précise aussi que la crème elle sent très bon, c'est un peu spécial. Si vous avez déjà été chez Kiko, vous rentrez dans le magasin Kiko, il y a une odeur un peu spéciale qui sent très bon, et ben en fait ça sent ça et je suis fan, ça rappelle les séances shopping chez Kiko, j'adore. Donc je vais mettre mon miroir comme il faut, voilà, je vais l'étaler très légèrement, voilà, je vais pas la faire pénétrer trop, juste l'étaler pour pouvoir voir avec le truc comment ça marche. Je fais attention à mes cils parce que je teste un nouveau traitement justement chez Kiko pour les cils dont je vous parlerai dans une vidéo si ça marche ou même si ça marche pas d'ailleurs, autant que vous soyez au courant. Mais ça fait une espèce de mascara qui vaut mieux pas toucher. Écoutez, c'est assez spécial, j'en ai encore le nez qui vibre. C'est assez spécial parce que sur les zones plus dures, en fait, vous sentez tous les os de votre crâne qui bougent. C'est assez spécial. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait des massages exprès pour le visage. Bon, faire pénétrer la crème, après il fait chaud aussi, c'est peut-être ça. Mais ici, ouais, je pense que c'est la transpiration parce que au moment où je l'ai fait, en fait, il y a tout qui a pénétré directement. C'est hyper bien. Par contre, ça me donne un peu mal aux dents à force d'avoir tout vibré. Oh, j'ai mal la tête aussi. Et ils disent de l'utiliser quotidiennement en plus. Voilà, 5 à 10 minutes daily use. Donc 5 à 10 minutes tous les jours. Bonjour le mal de tête. Mais après, vous faites ça au soir avant d'aller dormir au pire. Dans votre routine du soir. Mais ouais, je pense que c'est la chaleur qui fait que la crème rentre moins bien. Parce que de base, elle avait complètement pénétré. Mais c'est pas grave, alors ici du coup je vais prendre mon huile que je vous ai montré et on va voir avec l'huile ce que ça fait. Bon, je suis toute rouge par contre, la peau rougit vite avec. Ça a plutôt bien fait pénétrer l'huile parce que j'en ai mis un peu beaucoup. Mais bon, voilà, après, pensez qu'il fait chaud, qu'on transpire. Donc, je pense qu'il a le droit à un joker pour ça. Parce que même avec mes mains, ça pénètre pas. Donc, c'est bien la preuve, c'est pas de sa faute. Mais ça se voit que ça fait bien pénétrer. Bon, j'ai mal au crâne et ça vibre tellement dans la main en fait que ça vous donne des crampes au bras. Mais à part ça, c'est pas nul du tout franchement. Par contre, d'utiliser 5 à 10 minutes tous les jours. Honnêtement, je sais pas si je le ferais parce que voilà, ça donne des crampes, mal à la tête, voilà. Puis moi, à part si je fais un masque, quoique peut-être sur un masque. Alors vous voyez, un sheet mask, donc vous voyez les feuilles. Ouais, peut-être faire ça par-dessus la feuille pour faire pénétrer le sérum. Ça peut être une très bonne utilisation. Mais là, comme ça, là maintenant sur ma peau à nu, on va dire. Non, je pense pas que je passerai 5 à 10 minutes. Mais franchement, c'est plutôt pas mal. Je vous le recommande. Il coûte 3 € et quelques. Enfin, de toute façon, tout est dans la barre d'infos comme toujours. Et franchement, j'en suis vraiment contente. Donc, voilà, la vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous a plu.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche et à mettre un j'aime. Ça récompense mon travail dans YouTube. N'hésitez pas, comme je l'ai dit en début de vidéo, à me rejoindre sur les réseaux. Sur ce, je vous fais des gros bisous.